Salut à toutes, je suis Corinne, illustratrice. J'ai vécu un combat contre le licenciement des salariés de la Pecuara, dont faisait partie mon mari. La Pecuara, c'est une entreprise en France dans l'aéronautique qui a été rachetée par des fonds de pension anglo-saxons et qui ont licencié 300 personnes. Pendant qu'on s'est battu contre ce licenciement, j'ai appris une chose, hein, c'est que la solidarité, c'est notre plus grande force. C'est pour ça que je tenais à partager ma vidéo, mon soutien et ma solidarité aux travailleuses de l'Askedis, qui je sais en ce moment sont en plein combat. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite de tenir bon pour leurs négociations, pour leurs conventions collectives. Le 31 mai ici, je penserai à vous. Comme vous dites si bien, si on touche à l'une d'entre nous, on s'organisera par milliers. Courage les filles. Collectif de Paris 8, nous avons été en grève pendant 2 mois et demi, nous avons tenu, nous avons gagné, nous sommes avec vous, tout le monde, tous ensemble, il n'y a que comme ça qu'on gagne. Vive la grève générale! Vive les Kélis! Moi, je suis la gouvernante de Campanile Tour Eiffel à Paris, et en grève. Je soutiens énormément les femmes de chambre de l'Eskélite. Il faut que vous soyez fortes. Et ensemble, et puis il faut que vous soyez solides, fortes, ensemble, et puis c'est comme ça que la grève, ça marche. Il ne faut pas lâcher. Je soutiens aussi les femmes de chambre de l'Askelis en Espagne. Il ne faut pas lâcher. Continuez jusqu'au bout. Ça va aller, on va gagner. Vive la grève, vive la France, vive l'Espagne.